les auteurs comme les artistes en général embellissent notre vie. Ils nous aident à vivre, ils font que le monde dans lequel on vit est plus portable, plus beau. Ils introduisent de la beauté dans notre quotidien. Ça donne un revenu additionnel aux auteurs qui en ont bien besoin, il faut le dire, parce que le revenu annuel de la plupart des auteurs n'est pas si élevé que ça. Bien, ça sert à ce que nous, notre travail, ça nous appartienne. Parce que sinon, une fois que vous avez lancé quelque chose dans l'espace public, bien, tout le monde peut l'utiliser, le détourner, se le réapproprier, puis vous faire dire n'importe quoi. Fait que c'est important, c'est pas juste de l'argent, c'est de la propriété intellectuelle. La juste rétribution pour un travail, c'est le respect de l'autonomie aussi, et c'est s'assurer qu'on pourra, dans le futur, bien, avoir une belle diversité de création et de contenu. On est dans une ère spéciale où on a l'impression que tout appartient à tout le monde avec le web et avec tout ce qu'on peut se télécharger gratuitement. Il y a quelqu'un à quelque part qui s'est levé le matin, qui a travaillé fort, puis lui aussi, c'est son gagne-pain.